On n'avait strictement rien à perdre parce que c'était une équipe qui était au-dessus en Ligue 2. Fallait créer un exploit et finalement quand tu dois créer l'exploit, je pense que tu es sans pression parce que si tu le créais pas, c'est presque la logique des choses. J'ai eu des frissons tout de suite avec les feux d'artifice sur le côté, les 23 000 spectateurs. Il y a le maillot barrage, il y a tout ce qui va avec, c'est vrai que c'est tout autre chose. On savait qu'il y avait un match retour qui était très compliqué au Gazélec où on payait pas très cher de notre peau. Quand tu perds 2-1 chez toi, c'est aller. Hein. C'est votre match, c'est vous, c'est votre avenir, c'est votre futur. Faites ce que vous avez à faire. On regardait même des matchs de Liverpool qui s'est qualifié face au Barça, tout ça. Et les images, ouais, c'est vrai que ça donnait des frissons et ça donnait des idées, quoi. L'idée, c'est toujours d'impacter les joueurs en se disant, voilà, ça a été fait. On est capable de le faire, on a les moyens de le faire. Et on est reparti là-bas, mais là, on s'est dit, là, cette fois-ci, ils gagneront pas.